du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vous savez, j'ai déjà dit, ces gens d'Asimito qui font des choses sont des ingrats. Je dis, je répète, ce sont des ingrats. Parce que c'est spontanément que je les ai défendus. Sans qu'on me donne un sou. C'est spontanément que pendant des mois et des mois, je les ai assistés à l'homicide devant le magistrat instructeur. Chacun à son tour. J'étais seul avocat à ce moment-là. Et pendant des mois, j'ai abandonné mon cabinet pour les assister avant même que le procès. Ils ne m'ont pas donné le moindre copec. Et c'est spontané, ce que j'ai fait, librement, gratuitement. Et aujourd'hui, il me tire dessus comme si j'étais un pestiféré. Pourquoi ces victimes, je les ai défendues avec mes confrères avocats, on était six à Lomé. Et lorsque la Cour de justice, la Cour suprême du Togo, chambre judiciaire, a condamné Kpatcha et les siens. Nous sommes allés à Abuja. Nous avons défendu contre Becky Angla, contre les avocats du pouvoir, avec toutes les pressions possibles. Nous sommes allés à Abuja, nous avons gagné à Abuja. L'État togolais a été condamné à payer 532 millions aux victimes, à se partager. Certains avaient eu 20 millions, d'autres 3 millions. Ceux qui ont été torturés ont obtenu 20 millions, ceux qui n'avaient pas été torturés avaient obtenu 3 millions. Ça fait en tout, pour les 33, 532 millions. L'argent passait sur mon compte comme cela se fait normalement. Et j'ai appelé chaque victime et je leur ai partagé l'argent. Ça, ce sont leurs indemnités. Ils ont reçu leurs indemnités. Évidemment, nous avons perçu une partie de leurs indemnités, ce qui est normal. Pour rembourser Kpatcha Gassimbé qui avait avancé les frais des six avocats pour la CDAO. Nous avons déduit ça de la somme payée aux victimes. Nous avons déduit 20% et le reste des 20%. Les avocats se sont partagés ça à 6. Ce qui ne fait même pas un minimum payé à chaque avocat. Vous savez, les avocats, quand ils vont faire leurs prestations, les honoraires, ça varie entre 15% et 20%. Comptez un peu 15% de 432 millions. Comme c'est à l'extérieur, 20% de 432 millions. C'est pas 7 millions, hein. 20% de 532 millions. Ça veut dire 5 et 4 000. 10%, c'est 52 millions. 10%, ça fait 100 et quelques millions. Pour chaque avocat,
Normalement, c'est ça la règle. Les avocats de l'État togolais ont eu à percevoir et qui ont perdu le procès. Hein. Mais c'est parce qu'ils sont allés à Abuja et leurs honoraires, ça a fait 470 millions qui sont partagés à trois. Nous sommes partagés, les 20 millions, ça fait 100 millions. Mais moins ce que Pacha avait avancé, 44 millions. C'est le reste que nous avions partagé entre nous, à 6. Et bien de l'argent même qui est partagé, ma part, je ne l'ai jamais reçu. Parce qu'une des victimes a pris une part qui n'était pas la sienne. Il y a eu une erreur faite par le ministère des Finances. Et cette victime a pris 20 millions, alors qu'elle devait mettre 3 millions. Et quand celui qui devait avoir les 20 millions est venu, alors qu'il n'était pas sur la liste de finances, mais il était bien droit sur la liste, je lui ai donné ma part. Parce que je ne voulais pas de problème qu'on dise que j'ai mangé, bouffé l'argent d'une victime. J'ai pris ma part que j'ai prise en partageant le reste aux avocats, je lui ai donné. Je lui ai donné. Donc, je me suis mis d'accord avec mes confrères, pour que lorsque les honoraires seront payés aux avocats, je perçois en retour cette partie qui a été envoyée en adjoint à une victime de ce qui a été fait. Maintenant, ça, c'est à part. Si vous lisez le règlement de la CEDEAO, à l'article 69, je vous communiquerai ça après, il est prévu que la personne qui a perdu le procès sera condamnée aux dépens. Et l'article 69 dit que les dépens consistent dans les honoraires d'un avocat et les frais que cet avocat a eu à faire pour Abuja. Alors que les dépenses de vous, ce sont les frais de justice qu'on fait payer à la victime, à celui qui a perdu. Mais ici, c'est pas ça. Comme il n'y a pas de frais de justice à Abuja, les dépenses sont les honoraires d'un avocat et les frais d'un avocat. Donc j'ai écrit au ministère de la Justice pour demander que l'État nous paie ces honoraires d'un avocat et les frais d'un avocat que nous allons partager à 6. Parce que c'est ça. Puisque l'État ne payait que les honoraires d'un avocat, quand l'État lui a payé, nous avions partagé ça entre 6. Et les victimes veulent qu'on leur redonne cet argent. Mais c'est ça. Les victimes veulent que nous leur redonnions les honoraires que l'État nous a versés. Les honoraires d'un avocat que nous étions partagés à 6. Que nous leur redonnions ça. C'est ça la polémique. C'est ça qui fait l'objet des conneries qui sont dites sur les réseaux sociaux. On dit que nous avons bouffé l'argent des victimes, mais ils n'ont plus l'argent. Les 732 millions ont été partagés entre eux. Les honoraires d'un avocat ont été partagés entre les 6 avocats. Ce qui est normal. Je ne vois pas où qu'elle part dans les honoraires de l'avocat. C'est ça le problème. Elle crie de partout en disant que mettre à Jamo. Et puis ce qui est bizarre, c'est qu'on crie sur mettre à Jamo. Alors qu'on sait que nous sommes 6 avocats. Pourquoi on ne dit pas
que les avocats ont bouffé l'argent. Alors que j'ai dit que l'argent de l'avocat, j'ai partagé ça entre les 6 avocats. Pourquoi on ne s'en prend pas à M. Jovi Gali? Pourquoi on ne s'en prend pas à M. Afambeyi? Pourquoi on ne s'en prend pas à M. Bandé Adjalé? Pourquoi on ne s'en prend pas à M. Sopo? Pourquoi on ne s'en prend pas à M. Atudarus? Ce sont les 6 avocats qui étaient dans le procès. Et l'argent a été partagé en nous. Les honneurs d'un avocat a été partagé en nous. Alors, pourquoi on ne s'en prend pas à eux? En fait, quand j'ai compris, j'ai compris parce que l'acharnement qu'il y a contre ma personne, j'ai compris. J'ai compris parce que on a détruit l'opposition togolaise aujourd'hui. Et personne n'est plus crédible au Togo. C'est vrai, on s'est organisé, moi-même, je me suis organisé pour que le casier puisse prendre en charge ses victimes et leur famille. Tous les mois ou tous les ans, on leur donnait, on payait à manger aux familles, on payait les fournitures scolaires et les habits aux enfants. Mais c'est, nous sommes organisés pour qu'il y ait de l'argent qui vienne à ce titre-là. Pour Abuja, il n'y avait rien. Je ne sais pas où il a pris ça. Pour Abuja, il n'y avait rien. Ah, c'est les frères. Oui, j'ai pris de l'argent 2 fois. Au casque pour aller à Abuja, mais combien? 500 000 francs à la fois, c'est pas 2 fois. Vous savez combien ça coûte? Pourquoi 500 000 francs? Parce que le billet d'avion. Parce que le billet d'avion à Abuja, ça coûte entre 400 et 500 000 francs en classe économique. Mais il m'est arrivé de prendre les 500 000 francs et d'ajouter, parce qu'il n'y a pas de place économique, je prends. Quand ça fait, c'est 700 ou 800 000 pour aller à Abuja. Le séjour à Abuja, pendant une semaine, c'est plus que 500 000. Et encore, en descendant dans un hôtel moyen, là où les avocats ne doivent pas aller. Parce que quand je prévois mes confrères béninois et autres, ben ils vont à l'hôtel Nikon. L'hôtel Nikon, c'est le palace, c'est comme le 2 février. C'est le standing d'un avocat. Moi, je n'allais pas à l'hôtel Nikon. Moi, j'allais dans un hôtel où l'un dans l'autre, tout compris, ça peut faire 100 000. Alors, vous êtes très cher. Et ce n'est pas le Kassim qui me payait ça. Le Kassim m'a donné 2 fois un forfait de 500 000. 2 fois. Le reste, c'est moi-même qui ai sorti l'argent de ma poche. Ça, vous parlez des frais. Mais les honoraires. Est-ce que c'est le Kassim qui m'a payé aussi les honoraires? Mais les honoraires, je prends ça à l'État togolais qui a perdu le procès. J'ai demandé à l'État togolais de payer les honoraires. L'État m'a payé les honoraires. Comme j'étais seul dans cette affaire, c'était plus avec les 6 avocats, c'était seul. L'État m'a payé les honoraires. Et je ne comprends pas. Est-ce que Kakbo veut
que je lui verse, reverse ses honoraires là. Alors qu'ils n'ont pas sorti un sou. Je ne comprends pas. Cela explique un peu pourquoi on s'acharne sur vous. Oui, c'est moi et c'est sur mon compte que l'argent passe avant de leur distribuer l'argent. À Kakpo, l'État, Abuja a condamné l'État togolais à leur payer 2 millions chacun. En condamnant l'État togolais à leur faire le procès, organiser un procès. Mais pour le moment, on a donné 2 millions. Mais j'ai pris ces 2 millions. Je l'ai partagé les 2 millions. Ils étaient carrés, ils étaient 7. Ça fait 14 millions. Les 14 millions sont arrivés. Je les ai appelés, je les ai donné les 14 millions. Moi, évidemment, les 20% de mes honoraires. Or, est-ce que c'est 400 000 francs qui sont mes honoraires? Non. Quand je demande mes honoraires à l'État, c'est pas 1 million, c'est pas 2 millions. Je demande les honoraires à l'État togolais par rapport à mon standing, à ma valeur, à ce que je suis. Ah oui. Et l'État me paye ces honoraires après discussion. Après discussion, après réduction. Oui. Mais ce sont mes honoraires. Et à Kakpo, ni à Kakpo, ni les autres, ni à Yasmito, ni à Tcholi, ils n'ont rien à voir dans mes honoraires, dans nos honoraires. Rien à voir. C'est eux qui m'ont constitué après les droits de l'homme. C'est eux qui m'ont constitué. Je vais vous dire, c'est Kpacha Nyasimbe qui m'a constitué par l'intermédiaire de sa femme. Maître Djovi Gali et moi. Et c'est moi qui ai dit à Kpacha, il faut que je mette un collège d'avocats. Qui sont des avocats qui ont l'habitude de défendre les droits de l'homme. Je ne suis pas conscient comme quelqu'un doit le moment envoyer, vous me conscient pour eux, non? Non. Donc, Kpacha m'a conscient, j'ai dit à Kpacha Yassimé et à M. Djovi Gali, qui est conscient pour les vous, Kpacha, que je souhaiterais m'entourer des avocats qui sont intéressés par les droits de l'homme. Ce n'est pas en tant que droits de l'homme qu'ils sont venus. Mais c'est comme avocat, mais ayant eu à toucher du droit les droits de l'homme. Parce qu'on est dans un cas de la torture, de mauvais traitement. C'est pour ça que j'ai appelé Maître Sopo, qui a été président de la CAT de vous. J'ai appelé Mandé Adjaré, président de la Ligue. J'ai appelé Maître Afan Bedi, président, ancien président de la CAT et président de notre ONG. Oui, je les ai appelés pour ça. Mais pas parce que ce sont les droits de l'homme qui viennent. Donc on ne peut. Non, ce sont des avocats. Il faut leur payer les honoraires. Je vais bien les honorer. Est-ce qu'il y a autre chose?
je ne défendrai plus personne. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure au début que ça me fait mal au cœur. Parce que c'est spontanément que pour les autres, quand Pacha m'a appelé, je suis allé défendre d'abord le second, après Pacha, c'est le commandant à moi. Parce qu'on avait des relations, lui et moi, lorsqu'il était à Genève. Non, c'était un bon gendarme. Hein. C'était un bon gendarme qui faisait les choses comme il faut. Donc on a eu à tirer des relations. Et quand on a arrêté, j'ai dit non, je vais l'approcher pour savoir si je vais le défendre. Il a dit oui. Et c'est lui qui a conseillé aux autres de me prendre comme avocat. C'est ça. Et les autres m'ont écrit. Parce qu'il y a exilé qui m'écrivent. Pour que je les défende. Parce que je ne veux pas arriver à la situation à laquelle je vais aller pour me présenter, pour la défendre. Et puis, déconstituer. Et lui m'a dit, moi je ne vous ai pas choisi. Ça, oh, c'est arrivé. Donc j'ai voulu qu'ils m'ont écrit pour me constituer. C'est différent de ce qu'ils vous disent là. Quand vous constituez un avocat, les frais. Ah, c'est clair. C'est clair. Comme ces honoraires sont partagés en 6, ben, ça n'est pas suffisant pour même un seul avocat. Alors je suis allé prendre encore les honoraires d'un avocat à l'État. Ça fait les honoraires d'un avocat et demi. Pourquoi demi? Parce que les honoraires que nous avons retirés aux victimes, les 20% là, les 500 000 là, ne suffisent pas pour faire même les honoraires d'un seul avocat. Oui. Ça ne faisait même pas les honoraires d'un seul avocat. Et c'est là-dedans que nous avons encore retiré de l'argent pour payer les frais qui ont été occasionnés par le séjour à Abuja et payé par Pagana Sibé. Qu'il fallait lui rembourser. Et ce sont les miettes qui restent que nous avons partagées à 6. Ça se venait à combien? À l'époque, c'était 17 millions et quelques. Pour chaque avocat. Et ce sont les 17 millions pour lesquels moi, je n'avais pas pris ma part. Ma part, c'était Amand Poko qui a pris ma part. Après, quand les 100 et quelques millions sont arrivés, qui constituent les honoraires d'un avocat, parce que ça, ce sont les honoraires d'un avocat, les 100 et quelques millions, ce sont les honoraires d'un avocat, alors que j'ai appartenu en 6. Ah oui, ça veut dire que chaque avocat n'a même pas eu à toucher sa part officielle d'honoraire. Puisque ce sont les biens qui sont restés dans les 5 millions, après il y a des juges qu'on devait payer à Pacha, qu'on a partagé en 6, et ce sont les honoraires d'un avocat que l'État a payé, que nous avons encore partagé en 6. Et ce que nous avons touché, chacun a touché, ne fait même pas la moitié, même pas le quart de ce qu'un seul avocat aurait touché s'il avait travaillé seul. Ah oui. Même pas le quart de ce qu'un seul avocat aurait touché. Et on veut quoi? Et maintenant on dit qu'il faut que on leur redonne les honoraires d'un avocat. Mais c'est ça. Ce ne sont pas les indemnités, les honoraires de l'avocat. Comment? C'est à être fou. Je ne comprends pas. Et c'est pour ça que André Revesien dit, ces victimes sont des ingrats.
Et c'est pour ça que, comme vous l'avez dit, des gens sont encore en prison. Ce n'est plus le cœur d'aller les défendre. Parce que je vais encore aller les défendre. Et après demain, il va encore avoir les mêmes problèmes. Je ne veux plus. Je préfère aller défendre toutes les victimes sont même les criminels qui sont à la cour d'assises. Vous savez, hier j'étais dans la cour d'assises toute la journée. C'est pour défendre un criminel. Je n'ai pas pris de l'argent non plus. Je préfère faire ça. Je suis allé à des séances de la cour d'assises pour lesquelles j'ai eu à défendre des gens des criminels. Mais je n'ai pas pris un franc. Je préfère faire ça. Le criminel m'aurait dit au moins merci. Plutôt que d'aller aux victimes et que la victime me craque dessus et me chute après. Voilà. Merci. C'est pour ça que je me propose plus d'eux. Est-ce que c'est toutes les victimes? Pardon? Est-ce que ce sont toutes les victimes qui sont ingrats? Je constate que les victimes de l'activité, Asfito, sont ingrats. Ceux qui sont avec Acholi. Parce qu'ils sont de deux sortes. Hein. Il y en a qui disent qu'eux, ils n'ont rien à voir avec Acholi. Parmi eux. Il y en a un qui disent rien. Acholi a même saisi le bâtonnier contre moi. Et il n'était pas seul. Il y avait encore deux officiers qui ont saisi le bâtonnier. Pour les mêmes choses. En disant que j'ai plus l'argent, je n'ai pas donné. Quand j'ai répondu au bâtonnier avec les preuves, avec les documents, le bâtonnier n'a plus rien dit. Le bâtonnier a transmis seulement ma lettre, ma réponse, mes pièces, puis ça fut. Ça s'est arrêté là. Et vous voulez encore que je puisse aller défendre d'autres victimes? Non. 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 Je veux bien que je défende les victimes. Et que je ne les défends pas pour qu'ils me remercient. Oh, beaucoup de criminels, quand ils sortent, je ne les vois plus. Ils disparaissent. D'accord. Mais moi, ça, j'ai fait mon travail. Ma conscience est tranquille. Et je loue le Seigneur qui me laisse encore en vie pour que je puisse rendre service. Mais qu'après une fois sorti, qu'on m'insulte, actuellement, les siens m'ont insulté. À Capo, j'ai entendu, j'ai vu sa vidéo, mais je n'en revenais pas. Il était ici hier, mais on s'est bagarré. J'espère qu'en fait, il a compris. Parce que j'ai eu à lui dire que à ce jour, l'État togolais n'a pas donné de l'argent pour eux. Parce qu'il dit que c'est l'argent qui est venu et que j'ai gardé. Mais c'est mon argent, mais c'est l'oreille que l'État m'a payé. Est-ce que je vais leur donner mes honoraires? Non. J'espère qu'ils ont compris. À ce jour, il n'y a pas d'argent arrivé en leur nom aux finances, aux trésors. Par contre, il y a de l'argent arrivé à mon nom dans l'affaire d'Akapo, machin, à Simon, oui. Mais sur la base de mes honoraires, est-ce que c'est ça qui veut dire que c'est à eux? Vous savez, quand nous étions avocats, nous faisons nos assignations, nos conclusions, nous mettons toujours à faire tant. Parce que pour pouvoir trouver l'affaire rapidement, on met affaire temps. Comme ça, le tribunal sait dans quelle affaire vous écrivez, vous faisiez. Est-ce que parce qu'ils ont vu que c'est dans l'affaire à Simon, à Capo autre, qu'on a eu à payer? Et ça veut dire que c'est leur argent? C'est pas leur argent. Ils sont mes honoraires. Même si l'affaire, leur affaire, mais c'est pas, ce sont mes honoraires que l'État m'a payé. Où est le problème?
Tu as dit, je ne fais plus. Vous savez pourquoi? Comme il est... Normalement, on a condamné l'État togolais à leur payer pour ceux qui ont été torturés, pour la torture, 20 millions. Maintenant, ils ont perdu leur emploi. C'était des gendarmes ou des militaires, ou des policiers. Leur carrière foutue. Or, la Cour d'assises dit que la décision qui a eu lieu au Togo, faite par la chambre judiciaire de la Cour suprême, que cette décision est inéquitable. En droit international, inéquitable, ça veut dire que cette décision est censée n'avoir jamais existé. Alors nous faisons ce que nous appelons le principe de la répétition. Ça veut dire que vous remettez les choses dans l'état où elles étaient avant la décision. Or, dans quel état ces policiers, gendarmes et militaires étaient quand on les a arrêtés, condamnés? Ils étaient en service. Et on les a condamnés, ils ne sont plus jamais en service. Mais il faut normalement reconstituer leur situation par rapport à l'État, par rapport à leur service. Ce que j'aurais voulu faire. Et c'est pour ça même que Asvito a conservé, a retiré 500 000 francs à chacun. À ceux qui veulent qu'on poursuive les choses. Amand Olivier, le président de la Suite à l'époque, avait demandé qu'on retire 500 000 francs sur les condamnations et les indus de chacun. Et il a mis ça, c'est moi. Mais j'ai dit à Tony que comment est le président de la Suite est parti avec sa part qui n'a plus, il n'est plus jamais revenu avec. J'ai gardé par de moi les 4 millions et quelques qui ont été cotisés et que FOKAMA revienne pour qu'on fasse la balance. Ah oui. Donc j'ai arrêté, je ne fais plus. Moi je m'occupe plus de rien. Normalement, il devait avoir un procès. Il devait avoir un procès pour leur réhabilitation ou pour la reconstruction de leur carrière. Le dossier à Capo, il doit avoir un autre procès. Parce que les 2 millions qu'on a donné, c'est parce que les attentions ont fait des choses. Mais il faut qu'on a connu l'État. De voler à organiser un procès pour eux. Quand ils m'ont commencé à me chuter, moi je me suis croisé les doigts. J'ai croisé les bras. Je ne fais plus rien. Surtout qu'ils ne me donnent pas l'argent. Et c'est gratuitement que je fais ça. Mais je croise les doigts. Donc il doit avoir normalement une suite. Mais devant cette situation, il n'a pas de chute. Ils n'ont qu'à organiser la chute à eux-mêmes. Ils n'ont qu'à aller où ils veulent, faire ce qu'ils veulent, eux-mêmes. Moi, je n'irai pas. Je ne ferai plus rien. C'est tout. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.